en voulant la sauver une seconde fois. Bien le bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, vous voyez derrière moi le voilà, magnifique, attendez je fais ça en direct, c'est incroyable, la magnifique playlist Green Hell, voilà, on a fait une aventure qui était incroyable les amis, 19 épisodes. Les amis, aujourd'hui on se retrouve comme promis pour une vidéo, alors à la base c'était censé être en live, attendez, prenez-vous à boire, à manger, mettez-vous bien, vraiment tranquillou. Alors si vous n'avez pas suivi l'aventure de Green Hell, eh bien déjà je vous invite à la suivre parce que c'était vraiment super cool. Si vous voulez pas être spoilé du jeu, eh bien ne regardez pas cette vidéo. Et pour tous les autres intéressés, eh bien restez jusqu'à la fin. À la base je voulais faire ça en live, mais finalement ça va aller je pense assez vite. Là ça va me permettre au moins de faire un petit peu de montage. Et on va un petit peu discuter les amis aujourd'hui. Donc c'est une vidéo où on va regarder les fins alternatives à Green Hell. J'ai un petit peu cherché sur internet, je me suis pas spoilé, mais j'ai voulu voir combien il y a de fins. Visiblement c'est pas possible à trouver, et de ce que je peux comprendre, en fait il y a que deux fins finalement. Il y a la mauvaise fin et il y a la bonne fin, si on peut dire ça vulgairement. Je ne sais pas s'il y en a une troisième par exemple, d'accord. Ah, le petit placement de produit, hein. Je m'en fous, si j'ai envie de boire du Red Bull je bois du Red Bull. Donc voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour pas voilà, pour que vous puissiez quitter la vidéo si vous voulez pas être spoil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, voilà, maintenant je peux vous spoil, j'ai pris la mauvaise fin, voilà, pour oups, voilà, si vous avez pas vu la série encore, aïe aïe aïe, coup dur. Donc on a fait 19 épisodes, c'était incroyable. Donc voilà le dernier, ah, vous voyez pas, faut que je me lève, hop tac, voilà, là attendez, j'ai l'impression que je présente la météo. Alors voilà, un ciel couvert, non, alors ici. Voilà, juste là, Mia me torture suite à ses souffrances. Fin, épisode 19. C'est triste. Avant de regarder là où les fins alternatives, j'aimerais juste du coup débriefer parce que c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Je voulais absolument débriefer de cette série à quelque part et je l'avais pas fait dans le dernier épisode parce que j'étais un peu sous le choc hein, finalement de ce qui s'est passé. Donc j'aimerais un petit peu débriefer, vous donner mes impressions, mon avis sur ce que j'ai pensé et ce que je pense en fait du scénario. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, ça je ne sais pas, et je vous inviterai vous en commentaire à donner vos impressions, vos idées. Pour moi, donc je m'appelle Jake hein, il me semble, ma femme s'appelle Mia, c'est incroyable, nous sommes ensemble, nous sommes mariés, nous sommes, voilà, c'est génial, la vie est belle hein. En gros je pense qu'on partait on était déjà parti dans la jungle et que c'était pas la première fois qu'on y allait, quoi qu'il arrive, pour faire des recherches sur les plantes, sur voilà la biodiversité. C'est ce qu'on comprend en fait dans le campement principal à la base, au tout début du jeu, puisque bah du coup voilà, on a plein de travaux que nous-mêmes avons réalisés, des découvertes sur des plantes, des fleurs, la faune, etc. Apparemment j'aurais publié un livre au préalable. Au moment où on se rend sur cette île, j'ai déjà publié un livre, donc dans le monde occidental, hein, évidemment. Genre, dans le livre, j'aurais expliqué, voilà, que j'aurais découvert un remède miracle contre le sida, le cancer, voilà, les maladies un petit peu, bah, les maladies où, en fait, on peut pas faire grand-chose, quoi, malheureusement. Donc, voilà, on aurait trouvé des remèdes dans l'Amazonie, et du coup, on a écrit un livre, et on en a parlé. Globalement, c'est ce que j'ai compris. En fait, si j'ai bien compris, Mia, elle a eu une maladie. Cette maladie, par contre, je ne sais pas d'où elle vient. Suite, en fait, à cette découverte, et qu'on a publié dans un livre, il y a plein d'entreprises, notamment Omulu Corporation, Omulu Corp, qui a mis la main dessus, et qui a prescrit des médicaments, voilà, pour lutter contre le sida, le cancer, etc. Et ils l'ont donné à des patients comme ça, genre, alors qu'ils n'ont pas le droit, ils n'avaient pas le droit, mais ils ont distribué des médicaments comme ça. Et du coup, à cause de ça, il y a eu des maladies qui se sont créées supplémentaires. Et il se pourrait que Mia, eh ben, elle était touchée par ça. Si j'ai bien... Enfin, je sais pas comment elle a chopé ça, mais en tout cas, peu importe. Mais en gros, Mia, dans tous les cas, elle a eu une maladie. Est-ce que on était au courant ou pas? Je ne sais pas. C'est ce qu'on a découvert en tout cas avec l'ayahuasca, on a appris qu'elle était malade. Normalement, on était au courant, mais juste on a oublié, parce que du coup on a eu un gros trou de mémoire, et c'est pour ça qu'on avait consommé de l'ayahuasca, pour retrouver la mémoire. Et en fait on était, et donc voilà, en fait le sort de Mia était, c'était le destin, c'est-à-dire qu'elle allait mourir, elle savait qu'elle allait mourir au bout d'un moment, voilà. Et elle avait demandé à Jake de la débrancher à l'hôpital, donc en gros de mettre fin à ses jours plus rapidement, parce que c'était juste atroce quoi. Sauf que, du coup là où je suis sûr d'avoir compris, c'est que nous, donc Jake, on était persuadé qu'en retournant sur l'île, c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure, eh bien on allait trouver un remède. Et ben voilà, mais c'est ça en fait. En fait, on est juste retourné sur l'île pour trouver un remède pour Mia. Et éventuellement pour d'autres personnes qui ont le cancer et le... Oh mais c'est ça en fait. En fait, c'est pas un problème d'effet secondaire, c'est juste que Mia, elle était atteinte d'un cancer. Ou un truc comme ça. Malheureusement, et que on lui a redonné espoir. Je me rappelle, dans un dialogue, Mia, elle était en pleurs, elle disait ouais, tu m'as redonné espoir, machin et tout, alors que je savais que j'aurais pas dû te faire confiance, que quoi qu'il arrive, j'allais mourir. Et du coup, on avait refusé
de débrancher Mia, pour abréger ses souffrances évidemment, on avait refusé ça parce qu'on était persuadé qu'on allait trouver un remède dans la forêt amazonienne. Voilà. Bon, et moi en l'occurrence, dans ma fin, bah, j'ai pas trouvé de remède, donc voilà. Je suis passé pour le plus gros des connards et ma femme est morte et moi aussi j'imagine par la suite je meurs dans la forêt. Et donc il se pourrait qu'il y ait une deuxième fin, une fin secondaire justement. Pour moi il n'y en a pas trois, il y en a deux visiblement, et ce serait celle où on trouve le remède et on sauve Mia, et j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais rechercher sur YouTube Green Hell fin. Et ben voilà, il y a une semaine on va regarder ça, 289 vues, Frédéric Ma 45, on va regarder ça les amis. Et ben on a un confrère qui a le même nombre d'abonnés que moi et qui a le même nombre de vues que moi. Et ben envoyez lui de la force à ce gars là. Bonjour à tous, nous sommes de retour dans un nouvel épisode de Green Hell, le jeu de survie dans la jungle. Alors résumé de l'épisode précédent, comme d'habitude on est parti en balade, on a découvert un certain nombre d'objets qui nous ont permis une nouvelle fois de donner lieu à la cérémonie en buvant le fameux breuvage qui nous permet de nous rappeler un certain nombre de souvenirs. On a appris également à la toute fin de l'épisode qu'au Brésil, lieu où avait été déployé le remède, il y avait également en parallèle énormément de gens qui étaient morts. Oh, c'est vrai, je m'en rappelle, c'était une des cinématiques. À un moment donné, il y avait une cinématique où on était donc au Brésil. Hein. Les favelas, si je dis pas de bêtises. Non, mais je sais pas si c'est ça, les favelas. Je suis un beau gosse. Favela. C'était ça les amis. Et en fait il y avait plein de morts, il y avait plein de cadavres au pied des favelas en fait. D'accord. Et là comme il vient de le dire là, notre ami Frédéric Ma 45, c'est là où il y a le remède qui existe. Donc est-ce qu'il y a des effets secondaires de mourir avec le truc? C'est possible. Je sens qu'on va bien s'éclater, on va bien apprendre des choses grâce à lui. Envoyez lui de la force à celui-là, vous allez sur sa chaîne, vous commentez sa vidéo. Incroyable. Attendez, je viens de capter un truc, je t'ai déjà soigné une fois. Donc en gros elle était malade, on l'a soignée avec du coup un remède qu'on a trouvé dans la forêt amazonienne. Résultat, elle a eu une autre maladie. Et donc là, j'essaie de concocter un nouveau remède. C'est ça? Oui, non mais le gars, c'est pas possible. Regardez, en 5 épisodes, il a terminé le jeu en faisant la bonne fin. Moi, il m'a fallu 19 épisodes pour faire la pire fin. Donc déjà là, c'est what the fuck. Putain, il vient de trouver un truc. Et il trouve ça sans pression, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, ça nous fait la toilette, c'est génial. Pour se désinfecter. Pour se nettoyer. C'est un laboratoire le truc. Ah ouais, un vrai labo de recherche. Échantillon de sang. Un labo de recherche. Mais c'est ici qu'il faut faire le remède en fait. Fucking genius! Mais il a fait comment pour trouver cet endroit? Parce que je vais pas vous mentir, j'ai un peu zappé ici. J'étais juste à côté. Oh non, regardez! Ici, attends, si j'ai bien compris, ici c'est là où il y a le grand village où j'ai pris la dernière, le dernier ayahuasca. Et si je m'étais arrêté un peu avant. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai foiré ces deux tentes là. Dans ma cocotte. Là, il a mis une grenouille. Des grenouilles empoisonnées là, vous savez ce qui est au début. Il y en a de toutes les couleurs. J'ai essayé de regarder s'il y en avait qui étaient moins venimeuses que les autres, mais non, ils me collent tout à un vide. Au début de l'aventure, je me faisais attaquer du coup quand j'essayais de ramasser les grenouilles. Là, il vient d'en mettre une. Chasser la coco. Ça a marché. Remède. Bingo. Je suis excité comme un gosse, les gars, de savoir ce qui va se passer maintenant. Cache son enthousiasme. Bon, Mia, elle répond pas, mais maintenant, on a le remède. Le prochain objectif, c'est trouver Mia. Bah oui, trouver Mia. Donc là, il va aller au village pour boire l'ayahuasca. Sauf qu'il va avoir le dialogue débloqué. Que moi je n'avais pas. Et voilà, là il est en train de préparer l'ayahuasca, donc dans le grand camp indigène. Sauf que du coup, il va avoir la même cinématique que moi où on va comprendre, on va voir Mia à l'hôpital, d'accord? Sauf que du coup, on a le remède. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Bon, donc toute la cinématique, on l'a déjà vue, les amis, d'accord? Voilà. Tout ça, on l'avait vu. Ça va être ici, les amis. Oh putain. Si elle est là-dedans. Ah ouais. Are you? What happened? You didn't listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? Ouais, voilà. Et là, normalement, voilà. C'est que là, maintenant, il a le truc. Oui, j'ai le remède. Ou alors, je ne sais vraiment pas. Alors que moi, bah, j'avais pas le oui, j'ai le remède. Puisque, du coup, j'avais pas le remède, en fait. Et c'est là que c'était la merde. C'est que, bah, du coup, bah, voilà, on sait que voilà. Bon, bref. Donc, maintenant, voyons voir ce qui va se passer avec le remède.
Ça se peut, la fin, elle va être pourrie, et en fait, j'ai eu la meilleure fin. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, j'ai le remède. Yes. I have the cure. And now I know where to find you. Then go. What are you waiting for? Il était paumé comme moi, là. Voilà, donc là, t'ouvres la porte. Retourner à la piste de décollage. What? Ah ouais, parce que moi, du coup, l'aventure, elle se terminait là, en fait. Genre là, l'aventure, elle se terminait, c'était... les pleurs, la mort, je suis une merde, tac, je deviens fou, et puis je crois que c'était ça, à peu près. Alors que là, c'est retourner à la piste. Mais attends, ça veut dire que Mia, là, actuellement, elle est à la piste de décollage. Donc, j'avais bien compris, le village, il était bien là. Et c'est là ou là qu'il y avait un laboratoire, d'accord? Donc, j'avais monté le grappin, les amis. Je suis dégoûté de pas avoir eu la bonne fin, parce que c'était à ça près, regardez. Je suis allé là, tout droit, j'ai traversé, je suis allé là. Vous voyez ma souris? C'est ce que j'ai fait. J'étais là, je suis allé là. Alors que j'avais juste à faire zoup, ou alors zoup. Et ben non, j'ai fait zoup et j'ai fini le jeu sans le remède. La piste de décollage. Alors le jeu finalement nous téléporte automatiquement à l'aéroport. Jake Higgins. I got it. I got what everybody's been looking for. Did I hear you correctly? Say again, over. Yes. Yes, you heard me right. I have the cure. A cure? Oh my god, are you certain? I'll send somebody right away. Quel connard, je suis désolé, je vais casser la magie, je me permets de faire des pauses, comme je suis pas du coup dans le vrai let's play, je suis plus en train de jouer. Le mec là au bout du fil, c'est un gros connard. Hein. Bon, je sais pas dans le monde occidental qu'est-ce qui se passe, si tout le monde a des maladies et si c'est la merde, mais je vous rappelle que quand on a donc rebranché les câbles pour contacter la radio en panique, en mode « Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez venir m'aider, machin, nous chercher? On est deux, machin et tout. » Le mec, il disait « Oui, oui, on va venir, machin, encore vous, machin. » Et il allait pas venir. Hein. Alors que là, maintenant... qu'on a le remède, ah bah là tout de suite il est intéressé à revenir parce qu'on va sauver tout le monde quoi. Just hurry. Même on sait pas où est Mia. Mais comment t'as fait pour retrouver Mia? Yes. You're a fighter. You know, you could always come back to me. I really hope that this won't be necessary. Ah, c'est triste là ce passage. L'avion vient nous chercher. Hey, Mia. Adieu, merci. J'aurais bien dit les deux, hein. Adieu et merci. Hein. Goodbye. Ah, faut qu'on tourne la page. Ah, c'est triste, on court après notre femme pendant toute l'histoire et même si on a très rapidement des gros doutes, finalement elle est morte. Elle est morte, on a essayé de la sauver. Moi je comprends qu'en voulant la sauver finalement on a causé la mort de plein de gens et au final, en voulant la sauver une seconde fois, on va trouver le remède qui va normalement sauver toutes les personnes contaminées. Un jeu assez sympa, pas facile à prendre en main, que ce soit l'histoire, les objectifs. Bon, alors là mon pote, les gars, bon je connaissais pas du coup cette fin, donc je pouvais pas savoir, mais maintenant je le sais. J'ai eu la meilleure fin. Cette fin là, elle est pourrie. Elle est pourrie as fuck. Bon, merci en tout cas Frédéric Ma 45, vraiment super sympa par contre. Vraiment je viens de tomber sur une chaîne trop cool. Putain mais c'est de la merde cette fin, c'est un truc de ouf. Alors c'est du coup, attendez, je suis désolé parce que c'est grave triste, je suis en train juste de m'énerver. C'est super triste et tout, voilà c'est touchant. C'est même plus ou moins réaliste, d'accord? Dans tous les cas, elle est morte. J'ai eu la meilleure fin. Dans tous les cas, notre femme, elle est morte. On a, comme il l'a bien dit, on a tué plein de gens pour rien. Dans tous les cas, elle est morte. Et, enfin, en fait, y a pas de, y a, si, bon, celle-là, c'est la meilleure fin, ok, mais, parce que du coup, on sauve quand même des gens, mais dans tous les cas, notre femme, elle est morte. Lisez des tests, lisez des avis, parce que, pas simple. C'est pas forcément le genre de jeu que je fais habituellement. Ou sinon, vous l'achetez moins cher sur Eneba.
Oui, ben voilà, j'espère les amis que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, je compte sur vous pour vos pouces bleus. Voilà, petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve eh bien très vite pour deux prochaines vidéos. Je mettrai en description la chaîne du coup du gars qu'on a regardé, d'accord. Et puis voilà, encore une fois, je compte sur vous en commentaire, peut-être pour débattre un peu vos petites idées, vos petites hypothèses, si jamais vous en avez d'autres, ou peut-être si, je sais pas, vous avez un petit élan que un truc que j'aurais pas fait attention, ou que même du coup même l'autre vidéaste n'a pas fait attention. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.